console? Oui, c'est bien ici. C'est bien ici que le camarade Youssouf est actuellement sa cure. Évidemment. Quiconque se repose une fois autour de soi ne peut plus se reposer ailleurs. Parfait, merci beaucoup. Mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi êtes-vous au caoutchouc? Remettez-les. C'était uniquement pour ne pas servir de parquet. D'abord, qui êtes-vous? Moi, mais... Zaitsev. Et qui c'est ça, Zaitsev? Zaitsev, employé au service de l'approvisionnement. Il faut absolument que je voie le camarade Youssouf pour une affaire urgente. Urgente mais courte. Le temps de lui faire signer les bons et je disparais. C'est bien ça, vous n'aurez jamais vu quelqu'un disparaître aussi. Encore une fois, monsieur, remettez mon caoutchouc. Et je vous répète que c'est pour une affaire urgente. Autant de ça, la salle à faire urgente et déjà rien. C'est une maison de repos. Ça se voit, non? Le camarade Youssouf a travaillé 6 jours et se repose au 7e. Enfin, c'est ça. Le règlement intérieur interdit formellement de déranger la clientèle sauf en cas d'incendie. Maintenant, si vous avez vraiment besoin de voir M. Youssouf, vous n'avez qu'à aller demain à son bureau. Mais demain, mais c'est aujourd'hui que je dois le voir. Réfléchissez, demain nous serons à la limite, n'est-ce pas? Je ne peux rien vous dire, monsieur. Et après-demain, le mardi 9. Cela ne me regarde pas. Ben, je vous en prie, faites un effort. Le mardi 9, le dépôt ferme pour réfection générale. Il me faut donc la facture pour demain, lundi, le 8. Mais je ne pourrai l'avoir que si je présente le bon de livraison avant 9h du matin au dépôt au service de la comptabilité. Je sais ce que vous allez me dire, que la crèche n'ouvre que le 15, mais il faut bien 4 ou 5 jours pour que ça sèche, vous comprenez? Je ne sais même pas. Vous verrez, dans 10 minutes, je n'y penserai même plus. Pour la dernière fois, monsieur, remettez vos caoutchoucs et allez-vous-en! Mais m'en aller sans ma peinture? On vit très bien sans peinture. Est-ce que j'en ai, moi? Écoutez-moi bien, ce n'est pas une plaisanterie. Il s'agit de la nouvelle crèche qui doit ouvrir sans faute, le lundi 15 au matin dans la Nouvelle-Orléans. J'ai réussi, moi, Zaitsev, après des semaines d'une lutte acharnée, à enlever tout un lot de petits enfants, absolument adorables, avec leurs 150 petits sommiers, leurs 150 petits porte-manteaux, et leurs petites chaises hautes comme ça. Si bien ça vous les verriez, vous en auriez l'air, moi. Eh bien, vous les avez volés. De quoi vous plaignez-vous? Justement, c'est là que la récompense. Vous les verriez, mais ils sont d'une couleur qui ne mérite pas d'être une couleur, et qui n'a pas le droit d'être une couleur. Vous avez déjà vu une grenouille malade? Qu'est-ce que je dis? Une grenouille malade, ça serait trop beau. Un vieux crapaud tout vert, avec queue tout couvert de taches jaunâtres, en train de crever dans la boue. Bah, moi, voilà le petit crapaud. Oh, ça suffit. Elle a encore une sorte de crapaud, c'est dégoûtant. Ça vous dégoûte, hein? Les 150 petits-enfants, vous croyez que ça ne les dégoûtera pas? Ils vont se réveiller en sursaut, couverts de sueur, en proie à des cauchemars épouvantables. C'est cela que vous voulez? Mais je ne veux rien, moi. Et vous, qu'est-ce que vous voulez? Je veux 50 quelques kilos de peinture blanche émaillée et je veux voir Moussa. Non. Mais vous n'avez pas de cœur, mademoiselle. Non, monsieur, j'ai des ordres. Je vous en prie. Je le demande comme un citoyen conscient de ses responsabilités. Je n'ai aucune responsabilité dans le domaine de la peinture blanche émaillée. Je vous demande comme un... Oh, procès personnel! C'est de ma femme, je voulais dire, c'est à la femme que je m'adresse. Je ne suis pas mère et ce n'est pas en vous regardant que je vais changer d'avis. Bon, c'est décidé, vous me laissez partir. Si ce n'est pas moi, vous seriez déjà en Mandchourie. En Mandchourie? Très bien. Combien de temps vous pourrez retour dans votre maison? 43 roubles 50 copecs, pourquoi? 43 roubles 50 copecs? Et vos clients trouvent encore moyen de se détendre? Ah, enfin, passons. Alors, nous disons donc. 43 roubles 50 copecs, arrondissons à 44, ça sera plus facile. Alors 44 divisé par. Ça fait en gros 1 rouble de l'heure. Arrondissons à 2 roubles de l'heure. Parfait, les voici. Alors, voilà. Mais qu'est-ce que c'est? Donc, j'achète une heure de repos dans votre maison. Étant donné que je n'y resterai que 20 minutes, vous faites un énorme bénéfice. Mais vous êtes fou? Vous croyez que nous manquons du repos au détail, comme des œufs par exemple? C'est 43 roubles et 50 copecs ou rien? 43 roubles 50 copecs? Et vous croyez que l'administration va rembourser une somme pareille? Je ne pense rien. Et vous, tout ce que je vous demande, c'est de partir. Alors partez! Ça m'appelle. Ça, c'est ma collègue Zaitsev. C'est une question d'honneur. Bon, très bien, je vais vous les donner. 43 roubles 50 copecs. 43 roubles 50 copecs pour voir Moussouf alors qu'on peut voir le tombeau de Lénine gratuitement. Êtes-vous salarié? Bah, oui, naturellement. Alors montrez-moi votre certificat de travail. Bah, je vais vous donner mon certificat de travail, voilà, voilà. Bah, bon, j'ai dû oublier dans mon autre reste à la maison. Mais j'ai ma carte d'identité, ça rien même. Pas du tout, je regrette, mais nous ne pouvons pas vous admettre contre le sol. Quoi? Mais regardez-vous même. Ma carte d'identité indique ma profession. Zaitsev, employé au service de l'approvisionnement. Si je suis employé, je suis salarié. Et si je suis salarié,
exiger un certificat de travail, évidemment. Ça, c'est vous qui le dites. Mais tout ce que je vois, moi, c'est que vous n'avez pas de certificat de travail. Mais je vous dis que je l'ai oublié dans notre laisse à la maison. Eh bien, mais allez le chercher. Mais j'habite de l'autre côté, dans mon banlieue, de l'autre côté de Moscou. C'est ma faute, peut-être. Oh, vous en supplie, faites un effort. Demain, nous sommes le lundi 8, après-demain, le mardi 9, le dépôt ferme pour la fiction. Bonjour, bonjour, ma petite cheval. C'est vous le portier, maintenant? Il m'a demandé de le remplacer pendant quelques instants. Bienvenue, ça m'a donné. Merci. Ma chambre est prête? Elle n'attend plus que vous. C'est bien celle que j'en ai demandé, n'est-ce pas? La Grande Rose du Sud-Est. La Grande Rose du Sud-Est, vous êtes sûr? Vous me semblez avoir parlé de la Grande Bleue du Sud-Ouest. Ah non, celle-là, c'était la dernière fois. Mais vous n'en aviez pas été totalement satisfait. Ah bon? Et comment se fait-il? Je ne sais plus. Quelque chose dans l'Ouest qui ne vous plaisait pas. Quelque chose dans l'Ouest qui ne me plaisait pas? Comme c'est curieux. Oh bien, Breton, pourquoi pas? Il est tellement difficile de savoir ce qu'on aime et pourquoi on l'aime. Va pour la Grande Rose du Nord-Est! Je suis laisse. Si vous voulez. De toute manière, j'ai toujours éprouvé une certaine difficulté à distinguer ma droite de ma gauche. À propos, est-ce que monsieur Youssouf est arrivé? Tôt ce matin, mais il n'est pas encore descendu de sa chambre. Merci. Viens! Oui. À tout à l'heure! À tout à l'heure, madame Poutina. Vous êtes encore là, vous? Je vous fais remarquer que vous n'avez pas demandé son certificat de travail à cette dame. Vous plaisantez? C'est madame Poutina, la femme du célèbre professeur Poutine. La femme du célèbre professeur Poutine, mais pas le professeur Poutine lui-même. C'est la même chose. Le professeur Tutki est beaucoup trop occupé pour se reposer. Alors, c'est sa femme qui se repose sa place, voilà. C'était pour naturel. Et maintenant, si vous pouviez partir, j'ai du travail. Imaginons que ce soit moi, la femme du professeur Tutki. Est-ce que vous m'auriez laissé entrer? Bon, voilà une question bête. Vous n'êtes pas et vous ne serez jamais la femme du professeur Tutki. Ouais, c'est bien possible. Imaginons autre chose. Allez-y, vous faire une petite. Imaginons que ce n'est pas Doudkin qui est professeur, mais sa femme, madame Doudkina. Là-dessus, Doudkin entre, sans son certificat de travail, vous le laissez entrer quand même? Évidemment, là où passe l'aiguille, passe le fil. Ah. Là où passe l'aiguille, passe le fil. Comme c'est intéressant. Alors c'est bien décidé, vous laissez partir. Moi je vous laisse partir, je vous adjure, je vous conjure, je vous supplie de partir. Et mes 150 petits enfants? Mangez-les! Non, Oscar, excusez-moi, mademoiselle. Au revoir. Et encore merci pour votre chaleureux accueil.